Bon, nous étions assis, on a aperçu la voiture là qui quittait de Kouza vers Imbatanéri. Et je vous dis qu'il est descendu vraiment en vitesse. Il est vraiment descendu en vitesse. Il a d'abord tapé un premier usager avant de toucher le rond-point. Bon, notre analyse là, mon analyse là, c'est que nous avons remarqué depuis dans les temps, notre rond-point de Imbatanéri, tant qu'il sera d'être là à l'état délabré, il n'y aura pas d'accident. Mais monsieur, mon frère, je vous rassure, une fois que vous construisez, vous financez sous ce rond-point, tout de suite, vous verrez qu'il y a énormément d'accidents. On ne sait pas si c'est dit à quelque chose d'autre, spirituel ou pas, point d'interrogation. Mais tout ce que nous envisageons et qu'on peut dire aux Guinéens, précisément au gouvernement guinéen, c'est d'accepter, après la construction des différents ronds-points, de donner un sacrifice. C'est très important. Tout citoyen guinéen qui voit ce dégât commis ici, alors va se sentir frustré. Moi, j'appelle ça un délit. C'est très grave, un délit grave. Et Dieu merci que la police a déjà interpellé le chauffeur, la voiture est stationnée. Alors, le reste, c'est d'informer l'autorité, la ville de Conakry, pour dire qu'aujourd'hui, nous avons eu un dégât. Parce que l'inauguration, je ne pense pas que l'inauguration est faite. Aujourd'hui, voici ce qui est fait. C'est visible. C'est vraiment marrant. Ça fait mal au cœur que l'autorité de la ville de Conakry, l'autorité, le gouvernement, se bat pour améliorer nos ronds-points qui deviennent des dépotoirs qu'on a créés. Aujourd'hui, qu'on les casse comme on veut, qu'on les détruise comme on veut, c'est extrêmement dangereux. Et Dieu merci que la police joue son rôle, mais aujourd'hui, franchement, madame la gouverneure ne serait pas à l'aise, monsieur le premier ministre ne serait pas à l'aise, même le président, le maire de la commune ne serait même pas à l'aise, parce que quand tu investis, c'est pour que la population se sente à l'aise. La nuit, quand tu viens ici, c'est les gens qui prennent les images, qui prennent les photos. Dans les pays voisins, tu penses que les pays sont jolis comme ça? Non! L'embellissement d'un pays, ça dépend de la politique du gouvernement. L'information que je viens de recevoir, j'ai demandé d'abord, la première des choses, j'ai demandé aux policiers. Ils m'ont dit que ça s'est passé à 7h, que le chauffeur a dit que c'est son frère qui a lâché. Alors c'est qui a causé ce dégât. Et ils ont déjà agi en autorité, il a dit à Ognouf, et le véhicule qu'il a est stationné. Je pense que c'est un atout déjà. C'est un atout. Celui qui a commis l'infraction est déjà récupéré, est arrêté. Voiture stationnée. Je pense qu'ils ont joué le rôle de policier. Le reste, l'autorité supérieure va s'en occuper.